Séquence Top Tam Tam et nous voyageons une fois de plus en Suisse avec des petits nouveaux qui viennent de sortir un nouveau disque. Le disque s'appelle Clean Dirt. Vous allez le voir tout de suite sur l'écran. Clean Dirt, ça veut dire propreté sale ou saleté propre, c'est comme on veut. Clean Dirt, et nous avons justement, ça tombe bien, les deux protagonistes du groupe ou bien deux des quatre protagonistes du groupe avec nous. Il s'agit de Nick, le brun, frisé brun. Bonjour Nick. Bonjour. Et il s'agit de Rosario, le blond du groupe, qui est le batteur du groupe. Bonjour Rosario. Nous avons également les autres membres du groupe, mais ça on vous les cache parce qu'ils ne sont pas montrables à la télévision. Alors, vous avez appelé votre disque Clean Dirt. Qu'est-ce que ça signifie propreté sale? Est-ce que vous visez la Suisse et son blanchiment d'argent sale? Ou pourquoi ce titre? Non, en fait, il n'y a pas vraiment de... C'est pour des gens comme toi, justement, nous pose la question. La question, en fait. Ouais. Mmh. Je te remercie beaucoup. Mmh. Super. Bon, alors, je t'ai posé la question, je la remballe, d'accord. Deuxième question, vous avez bientôt... Donc ça, c'est le disque qui vient de sortir, on le répète. Vous allez bientôt sortir sur disque, mais également sur scène. Les concerts, c'est pour bientôt, en Suisse romande? Alors, on aura une tournée d'ici... Bientôt, on n'a pas de date encore. Ouais, mais tout bientôt, en fin d'année, on va vous voir sur scène. Voilà, ouais. D'accord. Il faut quand même définir votre musique comme du hard rock, on peut le dire. Hein, on peut dire que c'est du hard rock, même s'il y a des morceaux plus tendres que d'autres. On est en train d'ailleurs d'entendre un extrait du disque. On peut peut-être pousser un petit peu en régie pour qu'on entende bien cet extrait du disque qui s'appelle Feel the Power. C'est un extrait comme un autre. Toi, écoute, j'ai un truc compromettant que j'ai trouvé dans ma boîte à lettres, c'est ça. On va peut-être le monter au téléspectateur. J'aimerais que les téléspectateurs voient ça. C'est une photo où on te voit là, t'es tout à droite. Voilà. T'étais frisé déjà à l'époque. Qui sont ces gens-là? Parce que c'est pas tes copains du groupe. Alors ça, c'est un autre groupe, donc Apocalypse, groupe Genevois aussi. Dans lequel tu joues également. Oui, où je chante, ouais. Ouais. Et alors, tu vis avec d'autres gens, tu vis en concubinage. Ouais. Chance, ça s'appelle, ouais. Oui. Alors dis-moi, est-ce que ça veut dire qu'en Suisse, il faut jouer dans 36 groupes pour avoir la chance au moins de réussir dans un de ces groupes? Ou bien pourquoi est-ce que t'es dans plusieurs groupes? Non, je crois pas, c'est juste... par plaisir de faire plusieurs trucs. Ouais. En fait. Ouais. Apocalypse, c'est un groupe dont on sait qu'il est un petit peu plus hard trash, c'est pour te défouler. Ouais. Et puis t'es sage sur Clean Dirt ou bien comment ça se passe? Ouais, si on veut, ouais. C'est pour se défouler. Apocalypse pour se défouler. Vous n'êtes pas jaloux d'un groupe Clean Dirt qui tâte à d'autres groupes comme ça? Non, il a toujours trouvé le temps d'être disponible autant pour l'un que pour l'autre. D'accord, ok. Donc pas de jalousie, tout se passe bien. On va donc voir un petit peu ce que vous faites, parce que maintenant parler c'est une chose, mais enfin vous êtes avant tout des artistes, des chanteurs, vous faites de la musique. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec un clip que vous avez tourné en Australie, c'est un extrait du disque. Pourquoi l'Australie? Bah, c'est un morceau sur l'Australie, en fait. J'ai grandi là-bas. Donc ça tombe bien de tourner en Australie, voilà. Un morceau sur l'Australie. Voilà. Mais pourquoi l'Australie? Pourquoi l'Australie? Parce que c'est... Tu as grandi là-bas, tu expliquais tout à l'heure. Ouais. C'est un endroit qui vous fascine. Voilà. Voilà. C'est pour faire concurrence au Midnight Oil aussi. Enfin, accessoirement. Ouais, on dira ça. D'accord, on dira comme ça, on dit comme ça. D'accord, tout de suite, la chanson s'appelle Burning Sky. C'est le groupe Clean Dirt en direct sur la télévision suisse romande en Australie. C'est parti. Trailing stars, the southern cross beach in my heart, and I'll never forget the times I had so far away in the burning sky, so far away in the burning sky. It's the land of magic sounds, seasons fade from green to brown, and on the horizon the ocean runs, the ocean. Shade. My body burns just like a flame. I know I'll never be the same, be the same. Land of fire, land of shade. It is engraved deep in my brain. I know I'll never be the same, be the same. Drum for freedom and new spaces. You, a country made of greener and your yellow dust. Times I had. So far.
without you, oh my friends. I feel a lone part of my land. And when the sun goes down, my eyes are in the sky. And I see the trailing stars, the Southern Cross beats in my heart. And I'll never forget the times, times I had. Misty land of magic sounds, seasons fade from green to brown. And on the horizon, the ocean runs, the ocean runs. Dusty winds on endless roads keep bellowing the sun's long gods. From north to south, the stars have sails in the wind. So far away from the burning sky. So far away from the burning sky. Burning Sky avec les Clean Dirt, le clip tourné en Australie, raison pour laquelle nous sommes la tête en bas et on revient en Europe. Enfin, les pieds sur terre pour retrouver donc le groupe Clean Dirt qui vient d'interpréter cette superbe chanson Burning Sky. La chanson, elle est sur ce disque-là, un disque que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes boucheries du coin de votre rue. Clean Dirt, donc, dont nous avions ici Nick et Rosario. Vous avez pour conclure un petit truc à dire aux gens qui vont vous écouter bientôt. Ouais, je voudrais dire à ma mère que Nick vient manger les poulpettes demain à la maison. D'accord. Et si jamais je chausse du 43. Voilà. Si jamais. Et tu prends ton pied. Comme invité. Ouais. Bien, super. Alors des gens très très imaginatifs, le groupe Clean Dirt, on vous répète, ça c'est la galette. Une galette que vous pouvez obtenir maintenant au 329 15 29 si vous nous appelez. Elle est dédicacée par les membres soi-même du groupe Clean Dirt. Si vous voulez ces petites galettes-là, vous nous appelez au 329 15 29. Voilà, merci beaucoup de votre visite. Merci. Alors, on vous souhaite, ils disent merci ensemble, en cœur. On voit que c'est un groupe harmonieux. 1, 2, 3. Merci. Donc on vous retrouve sur scène bientôt, bravo et félicitations pour ce que vous faites. Bon courage, hein, okay. Parce que c'est difficile, c'est un monde de requins. Allez, on ne le sait que trop. Bien, allez, maintenant terminé pour la musique, on revient à nos séries. Vous avez voté au 321-74-11 pendant ces 5 minutes. Et voici maintenant, comme ça tombe bien,